Ariel Henry est en train d'arracher les dents de Guy Philippe. Je reprends. Ariel Henry est en train d'arracher les dents de Guy Philippe. Et Andy Pito, il continue à arracher les dents de Guy Philippe, mesdames et messieurs. Ariel a mené 2 à 0 sur Guy Philippe. Jusqu'à 3. C'est un combat politique, nous. Ariel Henry, monsieur là, l'a arraché dans la bouche Guy Philippe. Nous sommes comme des dînes, chaque fois que je passe devant, local, résidence officielle là, je sens que Ariel n'a pas paniqué. Nous sommes comme des dînes que le gouvernement n'a pas pris Guy Philippe au sérieux. Nous sommes comme des dînes ça. Eh bien, le gouvernement pas seulement pas pris Guy Philippe au sérieux, il pas seulement. Et comme si on a dit pas pour aucune disposition en termes de sécurité parce que Guy Philippe pral vini, parce que normalement et pour Jean-Paul il a parlé là, bon même matin on passé là encore, même mon policier me parlait devant la rentrée de la résidence officielle de Ariel Henry, malgré tout son temps de là, malgré tout son temps de là, tout coup de zame ça, tout annonce ça, toute menace ça, je passe ce matin là devant quand même gonzo et qu'on connaît qui connaît deux trois policiers là donne même les mêmes pas ouais. Donc Ariel en fait très peu cas de l'affaire de Guy Philippe, mesdames et messieurs. Moi dit qu'Ariel Henry arrache les dents de Guy Philippe. Et nous songeons comme tu dis nous ça là, la politique c'est une question de rapport de force, la politique c'est une question de communication, ok. On te dit nous ça là. On te dit nous que après la déclaration de Renaud Georges, on te dit, écoutez, les papes sans conséquence sous combat Guy Philippe a mené. Parce que le rivet voyait une glosse sale sous Guy Philippe. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne suis pas au courant. Mais c'est son avocat. Écoutez, donc, mesdames et messieurs, moi, quoi que c'est ça, même si Renaud Georges prend le voie et pied, pour aller tenter d'attaquer, je ne vais occuper. Le premier côté que Ariel Henry montrait tout bon vrai. Il pas jouer avec Guy Philippe. Guy Philippe t'a dit Ariel Henry n'a pas le droit de nommer ni révoquer. Est-ce que vous songez? Guy Philippe t'a dit Ariel Henry n'a pas le droit ni nommer ni révoquer. Et Ariel Henry, dans un moment, tout pays a tapement des messieurs dans bon temps pour changer cartel mairie, pour le nommer délégué, même bon titre. Monsieur pas jamais nommé aucun cartel dans le pays. Eh bien, pour monsieur, monter Guy Philippe, que le pape joue avec, c'est là qu'à Guy Philippe, même, il change un cartel. C'est là qu'à Guy Philippe, même, les nommer au nouveau délégué départemental. Ah, c'est pas blague. C'est la caille Guy Philippe même que le fait ça, dans la gradance. Mais tout le monde a dit que ça va le passer. Et Guy Philippe, dans l'interview que le bail, dans la radio, dans la radio méga, eh bien, par la suite, il va avoir un message par les partisans que nous avons relayé ici. Hein. Monsieur, tu as annoncé les couleurs. Il t'a dit que Guy Philippe, il t'a dit que Ariel Henry, il t'a demandé partisans pour prendre toute disposition pour empêcher cartel ça installer. Non, Jérémy. Il t'a demandé partisans pour prendre toute disposition pour déléguer départemental là pas installer. Mesdames et messieurs, il est devant genou là. Devant Guy Philippe, Ariel Henry non seulement nommé, Ariel Henry installé, mais ça qui est grave là. Une installation passée en douceur, par qu'on pétacle tiré, par qu'on s'achète de l'eau pété. Et Ariel Henry, pour y parvenir,
Monsieur choisi deux éléments clés en deux villes là. Pour la mairie. Il choisit deux monde de notables dans la ville qui hors de soupçon, qui ont crédit. Que moun remé, moun pa ka contesté. Finalement, il choisit comme délégué départemental. Yon Lavalas dur et pur. Il me dit nous ça là, c'est véritable quoi. Ariel Henry qui même j'avais avec André Michel, Soel Hyacinthe, Edmond Bozil. Tu fais un seul avec Guy Philippe en 2004 pour jeter Aristide. Je dis, il fait un seul avec Paul et Michel. Yon Lavalas pur et dur qui était victime de coup d'état 29 février 2004 là. Et puis c'est eux-mêmes qui ont allié avec un Lavalas. Qu'on y a mis Lavalas en face. Guy Philippe. Est-ce que vous comprenez une jouette politique là? On a analysé déjà. Je vais retourner sur le lien encore. Et bien, ça qui passe. Eh bien, M. Rivé renverse vapeur. Installation en fait à grand fort de publicité. Tout quartier populaire, vous prenez la rue parce que monsieur son nez qui sortit dans le quartier populaire. Et comme politique, c'est slogan, il y a un slogan dans la rue. Quartier populaire, réci chef. Même t'étonné, ouais. Que, parce que je me dis, bah, malgré comment ça passait. Mais monsieur, je me connais depuis 2000, je me connais monsieur dans CEP. Des journalistes en radio à X Inter. Eh bien, par contre, on peut t'activer. Monsieur, par contre, on contrôle la ville. Guy Philippe, pas jamais réagi. Équipe Guy Philippe, la vienne à genoux. Parce que, je couille bien aux oreilles que Guy Philippe est en négociation avec Ariel Henry. D'ailleurs, c'est ça que je dis. Et puis, ça vient d'avoir une grosse discussion dans le temps. Équipe Guy Philippe, dans Jérémy. Et bien, Ariel Henry, passé en force. Et me dit ça là, me dit bon, si Guy Philippe pas qu'à empêcher Ariel agir dans une commune, dans un département, comment Guy Philippe qu'a empêché Ariel agir sur le plan national? Je me pose la question, est-ce que je songe? En plus, je peux être game qui t'a joué tout parce que je t'ai fait des commentaires aussi pertinents. Eh bien, non seulement avant-hier là, yo fusillé 5 moun dans partisan qui Philippe yo. Il y a 4 autres qui blessés. Même mon mandat, on va pas mettre des personnes. Même mon mandat. Et yo mais je dois sous la police. Et si c'est la police qui t'a fait ça, donc la police qu'on y a presque à travailler pour le gouvernement. Et c'est dangereux. Il faut le dire. C'est la police qui tue net ça yo. Donc la police gagne là pour entrer dans politique en dans Jérémy. Et ça faut en attirer attention sur lui et faut nous tourner sur lui parce que nous pas d'accord. Nous pas d'accord que la police qu'on a payé à tout pour le jouer un rôle politique au profit du gouvernement. C'est pas la police gouvernementale, c'est la police nationale d'Haïti qui est pour servir et Guy Philippe qui est pour servir et Ariel, mesdames et messieurs. Dans le cadre de la loi. Eh bien, 5 moun perdu la vie dans la ville là. M'a donné gros mandat, m'a donné rien. C'est comme si y a 5 chiens qui étaient morts. Donc pour 9 moun prend balle, 5 mourir et puis ça passait comme une lettre à la poste. Parce que c'est partisan qui Philippe, il y a rien à mourir. Comme je pense que je vais le combattre comme ça. Il y a madame, il y a petite. Il y a rien à croire dans Guy Philippe. Même si il y a des gens qui ne pas croire dans Guy Philippe. Mais il y a une situation pour assassiner moun, tuer moun. Écoutez, je ne suis pas d'accord. Et bien, ça va le passer. Tout ça contribue à affaiblir Guy Philippe. Parce que Guy Philippe pas arrivé, après tout le bagage sérieux, renverser le bagage là, dans Jérémy. Partisan qui Philippe vient timide. D'ailleurs, il prend la rue. Il va presque on centaine dans la rue. Après assassinat, après carnage là. Eh bien, le gouvernement garde lui, ouais. Guy Philippe dormi. Guy Philippe pas réagi dans Jérémy. Parce que politique pas de cadeau là-dedans. Et puis. Bao! Ariel Henry passe à l'action. Il révoque Jean-Pierre Joseph. Et ça, c'est plus beaucoup qu'Ariel fait là. Pas pour payer, non?
précisément pour lui. En révoquant Jean-Tel Joseph, Ariel Henry, mesdames et messieurs, est en train de tenter d'arracher les dents de Guy Philippe. On dit tenter parce que, faut mal regarder. Est-ce que Bessap dans le pays après le campé des dos, Jean-Tel, tout bon vrai? Ou bien est-ce que le gouvernement a privé, séparé Bessap de Jean-Tel Joseph? Nous avons une question. Est-ce que Ariel Henry a privé, séparé Bessap de Jean-Tel? Ou bien est-ce que, mesdames et messieurs, Jean-Tel Joseph, eh bien, là, tout, vient un véritable leader armé, avec une troupe armée d'Edol, qui va arriver, mettez Ariel à terre, mesdames et messieurs.